Eh bien salut tout le monde, c'est Vidéo Guide WarframeFR, on se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui pour savoir comment avoir la Warframe Zephyr. C'est très simple, Zephyr, déjà pour commencer, il faut que vous êtes dans un clan. Donc pour être dans un clan, c'est très simple, vous allez dans le message recrutement et que vous dites vous cherchez un clan. Si vous êtes déjà dans un clan, c'est pas la peine de faire ça. Mais si vous n'êtes pas dans un clan, vous allez dans recrutement et vous dites je cherche un clan, jusqu'à un joueur va vous envoyer un message. Vous allez devoir l'accepter, donc vous allez dans communication, message et vous acceptez votre message. Après cela, vous allez devoir aller dans la et fabriquer cette clé et attendre qu'elle se finisse et après vous la récupérez. Et après vous allez dans navigation et vous aurez un truc qui s'appelle dojo. Donc vous allez dedans. Une fois que vous allez dans le dojo, vous allez devoir faire des recherches. Donc si c'est déjà fait, tant mieux. Moi je vous conseille de rejoindre un clan où c'est déjà tout fait, il n'y a rien à faire. Comme ça vous avez plus qu'à profiter. Ou sinon bah, vous rejoignez un clan et vous participez à fabriquer les recherches. Donc quand vous êtes dans un clan ou vous le créez, sinon peu importe, vous lancez les recherches. Vous allez investir des ressources pour lancer les recherches. Donc pour ma part, moi c'est fini, donc je n'ai pas de recherches à faire, j'ai plus qu'à les acheter. Donc une fois que les recherches se sont terminées, il faut attendre qu'ils finissent quelques jours et tout. Une fois que vous avez fini, vous payez les crédits pour acheter le schéma, les pièces en question de Zephyr. Donc vous achetez le schéma à 35 000 crédits. Après, vous achetez votre casque Zephyr à 15 000 crédits, le châssis à 15 000 crédits et le système à 15 000 crédits aussi. Donc, vous achetez tout ça. Une fois que vous avez acheté ces 4 pièces de Zephyr, vous allez devoir les fabriquer. Donc, vous allez vous rendre dans votre fonderie de votre vaisseau pour pouvoir construire le casque, le châssis, le système et attendre qu'ils se finissent. Donc, vous allez devoir mettre des ressources pour ça, pour qu'ils se fabriquent. Donc, vous allez devoir, pour le casque, mettre 150 circuits, 200 Otium, 200 packs polymères et 500 récupérations. Pour le châssis, vous allez devoir mettre 200 Otium, 900 nanospores et 50 Rebedo. Pour le système, vous allez devoir mettre un module de contrôle, 200 Otium, 500 packs polymères et 400 plastides. Donc pour ma part, je ne vais pas les fabriquer, mais vous devrez le faire. Donc vous allez devoir aussi mettre 15 000 crédits. Une fois que vous avez mis toutes les ressources et 15 000 crédits, et ben vous attendez 12 heures. Une fois que les 12 heures sont finies, vous les récupérez et vous lancez votre schéma à fabriquer. Donc il vous faut le casque, le châssis, le système, une cellule rockine et 25 000 crédits. Une fois cela fait, vous attendez 72 heures et une fois que les 72 heures, enfin 3 jours, vous le récupérez et il vous faudra un emplacement de Warframe qui coûte 20 platium. Vous l'achetez et quand vous l'aurez récupéré, ben vous aurez dans votre arsenal et vous aurez votre Warframe Zephyr. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un partage, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Ciao, chers ténors.